Shalom, 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 alléluia. Baruch HaShem, je suis le pasteur Manhattan Aigle Royal du ministère Arbre de Vie en Italie. Alors, voilà, le thème de ces messages, c'est le thème, j'ai intitulé comme thème dans ces messages, Israël représente tout. Les couleurs, disons les couleurs de la race humaine. Donc Israël est le représentant, donc il représente toutes les couleurs de la race humaine. Noir, blanc, jaune, tout ce que les couleurs que nous voyons de la race humaine est l'image d'Israël. Voilà, on ne va pas entrer dans cette notion. Notre contexte, nous allons parler, suivre un extrait qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux, un extrait de la part d'un grand représentant de la Torah d'Israël reconnu dans l'échiquier international. Vous allez les suivre. Alors, pour la précision, les raves que vous allez suivre, le grand rabbin, il n'est pas messianique. Il est l'un des représentants de la Torah d'Israël pour toute l'humanité, comme tous les rabbins. Baruch HaShem, on le salue au passage. Brachot lecha kavod achav ve alkol Israël. Baruch HaShem. Alors, j'ai intitulé le sous-thème Israël et les Noirs. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu kaf vav shin yud. Kaf vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est kaf vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Avaye, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains.
Incroyable. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, suivons maintenant l'explication de ce que le Rav vient de nous relater à travers la Torah. Qu'est-ce que le Rav parle? Le Rav parle de noir. Le noir. En hébreu, couchi. Voilà. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans la... Le Rav dit couchi, qui veut dire noir. Regarde, couchi, je l'ai écrit en hébreu. Couchi, couchi, qui veut dire noir. Il y a la lettre Raf. Enfin. Kaf Vav Shin Yud. Et le Rav a dit que dans les mots couchi, donc nous avons les Africains. Donc les Africains se trouvent dans le nom d'Hachem. Quel est ce nom? Comment on peut comprendre ce que le Rav est en train de dire? Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Donc, Kushi, Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. De quel Dieu Israël parle? Voilà. Quand Israël parle de Hashem, le tétragramme, voilà, c'est ce nom, Yod et Vav et. Donc, dans Kushi, dans ce nom, il y a Yesh Hashem, c'est non. Voilà comment fonctionne l'hébreu. Nous qui étudions l'hébreu, et je salue des passages à Moré Chelanou, le professeur Chaim Wiseman d'Israël qui nous enseigne l'hébreu dans le campus biblique. Baruch Hashem, Shalom le Chaim Wiseman d'Israël. Le professeur Chaim Wiseman d'Israël. Alors, dans le mot couchi, le noir, le Rav dit Yesh Hashem. Donc, Yesh, il y a Dieu. Dieu, Hashem, le tétragramme, Yod et Vav et. Comment on peut trouver le nom Hashem dans le nom noir? Yesh Hachem. Alors, je vais expliquer et pour faire comprendre. Voilà le mot Yesh. Ici, nous avons Yesh. Voilà. Yesh. Yud, Shin, Yud, Shin. Dans le Kushi. Voilà, Kushi. On a Yud, Shin. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Si nous enlevons ce nom, voilà, Yesh, on le met ici. Nous restons avec les lettres Kouf et Vav. Mais quel lien y a-t-il entre Kouf et Vav? Kouf, Kouf, pardon. Pardon, Kaf, Kaf. Je répète, ce n'est pas Kouf, Kaf. Kaf et Vav. Alors, c'est des lettres, Kaf et Vav. Kaf et Vav. Mais quel lien il y a ces lettres avec le nom que le Rav dit que dans l'africain, il y a le nom de Dieu, Yesh Hashem. Mais on voit les Kaf et Vav que Rav est en train de dire est lié à travers le tétragramme, le nom d'Hashem. Alors, ceux qui étudient l'hébreu, nous savons tous la valeur. La valeur, les gematria de ces noms, c'est 26. Le papier, j'écris, c'est 26. Là, la valeur numérique ou le gematria, 26. C'est ça la Torah. Voilà, il y a que le peuple d'Israël qui ont reçu ces secrets pour dévoiler aux nations. Sans le peuple d'Israël, nous ne pouvons pas comprendre qu'est-ce qu'Hachem
à la volonté d'Hachem à nous les nations. Moi, je ne suis pas juif, ni loyéhoudi. Je fais partie des nations. Je suis pasteur, mais j'étudie l'hébreu. Non seulement l'hébreu, mais la Torah. Et je suis enraciné aussi aux enseignements des maîtres d'Israël. Et en tant qu'hébraïsant, je viens expliquer aux nations de comprendre comment, qu'est-ce que le Rav est en train de dire. Alors, voilà, la valeur numérique de ces deux noms, de ces deux lettres, hein, Kaf et Vav, 26. Et 26 est la même, a la même valeur numérique de ces noms, Yod et Vav et. Voilà. Yod et Vav et. Lorsque nous voyons les Kaf, c'est combien? C'est 20. Les Vav, 6. Donc, on a les 20 et 6. Et dans les noms Havayé ou tétragramme, Yod, 10. Vav, combien? Yod, 10. Hé, combien? 5. Nous avons 15. Alors, 15 plus 6. 15 plus 6, ça fait? 15 plus 6, 21. 21, Vav, 15 plus 6, 21, et 21 plus 5, 26. Voilà, on retrouve les noms d'Hachem dans ces deux lettres, Kaf, Vav. C'est ça l'hébreu. Donc, on renverse le deux noms, les deux lettres, Chine. Yod, on met le Chine avant on met le Yod avant le Chine, nous avons Yesh. Voilà. Yesh. Yesh, c'est Hachem, il y a. Donc, il existe. C'est lui qui existe. Yesh, Hachem. Voilà. Donc, dans les noms noirs que le Rav a dit, il y a. Donc, Dieu, Dieu se trouve dans ce nom couchi qui veut dire les noirs. Mais comme vous avez remarqué mon thème, et Israël représente toutes les races, les couleurs de la race humaine. Toutes les couleurs, mais les Raves parlent des noirs. On parle aussi des rouges, des indiens, toutes les couleurs, c'est ça l'image d'Israël. Quand on parle d'Israël, c'est pas seulement un peuple, c'est pas seulement une nation, mais c'est un secret mystère qu'Hachem a mis sur ce peuple. Il représente toutes les couches de race humaine, de la race humaine. Quand on voit un noir, on les trouve en Israël. Les rouges, les indiens, tout en Israël. Alors, regarde. Les raves continuent. Et dit. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yud-Ké-Vav-Ké. Voilà. Yud Kevavke, le Dieu authentique qui s'est révélé seulement à Moïse, premièrement, et à l'ensemble d'Israël dans le mont Sinaï, le seul. Et ce Dieu-là, Israël a reçu la vocation d'enseigner, de révéler comme Abraham a fait le seul Dieu qui est pour tous, c'est Hachem. Et c'est le travail aussi, le travail que Yeshua est venu en formant les disciples ou ses étudiants pour faire connaître aussi aux nations ses noms.
non seulement connaître aux nations ces noms, de savoir aussi que ce Dieu-là, Hachem, hein, il est au-dedans de tout être humain ici sur la terre. C'est le travail que nous devons faire, révéler. Un Adam, c'est celui qui va révéler Hachem en lui-même et aux autres. Voilà, le seul Dieu. Alors, ce Dieu que Hachem, les Raves parlent, les Africains, un message pour les Africains, pour les Noirs, ça ne veut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette alliance d'Israël avec les Noirs, cette révélation de la du non avayé doit se passer seulement à travers l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est une condition sine qua non pour marcher ensemble avec Israël.